Donc il y a 3 yop. 3 yop, ouais. Il y a 3 yop dans ce donjon blop. Eh bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez très très bien. Pour ma part ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour un donjon blop. Aujourd'hui c'est vraiment un donjon blop entre guildes si je peux dire. Donc il y a 3 yop. 3 yop, ouais. Il y a 3 yop dans ce donjon blop. Et d'ailleurs je suis un super château effectivement. Attendez, je vais juste vous montrer les screens. Ça c'était le combat d'avant. J'ai droppé les deux clés quoi sur mes deux persos et j'ai up 70, donc c'est juste magnifique. Voilà, je suis vraiment très content. Ah, j'ai un up 62, donc ça c'est mon yop. Ah bah 60, bah ça c'est mon cra. Voilà. Bah écoutez, dans cette vidéo en plus c'était vraiment à l'imprévu quoi. Je savais pas que j'allais up mon cra 60, donc c'est super. Mon yop 62 c'est aussi super. Les points sont là, donc j'attends un petit peu. Je sais pas, je réfléchis où je vais mettre ça à feu, où je vais mettre vita. Donc là, je suis accompagné. Donc y a, là, aujourd'hui, il y a toute la clique. Il y a vraiment toute la clique. Il y a Spricha, il y a Fantasmatech, il y a Antec Monster, d'ailleurs, qui est un nouveau membre de la guilde. Donc voilà, bienvenue à lui, bien sûr. Et donc, c'est les 3 yaps, en fait. Et donc, vous allez voir, ça fait pas mal de dégâts. Évidemment, le plus roxeur, bon, c'est Fanta. Bien sûr. C'est aussi parce que c'est quasiment le seul qui est full stuff. Voilà. La Vita de... la Sasa de... Elle est abusée, hein. Il monte à 300. Il monte à 350 de Sasa. Alors, Joy, il y a un gars, il veut venir avec lui, je l'invite. Je l'invite. On est d'accord, voilà. On est tout à fait d'accord. Bon. Et d'ailleurs, j'ai un petit peu rushé en ce qui concerne les kamas. C'est vrai que là, je bouge pas trop. Enfin, je suis toujours à 300 000, mais j'ai droppé quand même pas mal de trucs. Donc, j'y mets force. Il va falloir que je me stuff combat tôt ou tard. Boum, la petite épée. J'aimerais bien booster. Voilà, je vais le full boost, hein, Fanta. Bon. C'est vrai que pour le moment, je vous cache pas, bon, on se fait PL, que ce soit le drop ou l'XP, mais c'est normal au début, j'estime que c'est normal. Encore si j'avais une team de 8, bon, ce serait plus facile pour faire X ou Y donjon. Joy, tu as gagné le Dofus d'or du château MDR, effectivement. Bon, il y a toujours les 4 troncs ou blobs, donc faudrait quand même que les gloutos se bougent un petit peu, je pense. Parce que les gloutos, ils se mangent entre eux, en fait. Le chat, il y a moyen. Et donc, bah, je disais, en fait, ouais, j'étais en train justement de dropper. D'ailleurs, dites-moi si ça peut vous intéresser, j'ai pas mal de cadeaux, dont des cadeaux incroyables. Les incroyables, on peut avoir tout un tas de trucs vraiment qui coûtent super cher. Avec un peu de chance. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plairait que je fasse une ouverture de... Bah une ouverture. Une ouverture de... Comment pourrais-je appeler ça? Bah une grosse ouverture de cadeaux. Mais des incroyables en tout, je dois en avoir une vingtaine. Voilà, je dois en avoir une vingtaine. Mais en tout, je dois avoir un peu plus de 100 cadeaux quand même. Oh là là. Oh les temps. Oh là là. Ah, les tempêtes à 450, hein. Ok. Excuse-nous, la star. Pardon. Oui, il est full boost. J'en peux plus. Alors Spricha, je pense qu'il va faire la star lui aussi, mais... Non, mine de rien, en fait, Spricha, je crois, en fait, il a mis tous ses stats en rocks, donc finalement, lui aussi, ça se trouve même, il rocks plus que Fanta, parce que lui, ses stats, il les a mis en Vita, je crois. Ouais. Fanta sur Skype, il prend la confiance. Parce qu'en fait, eux, ils sont sur Skype, moi, je suis pas sur Skype. Je voulais... Enfin, ils y sont depuis un bon moment, je crois, mais... Euh,
Alors, ça y est, je suis ta chaîne YouTube. Tu m'as donné envie de savoir si j'avais. Coucou, des scènes, on est full. Mais il y aura de la place dans les prochains jours. Je pense que j'essaierai de faire de la place et kicker. Bah, je vais attendre les vacances avant de kicker les gens. Parce qu'il y a des gens, voilà, ils ont pris la confiance dès le début d'un point 29 et finalement, bah, ils arrêtent au bout de quelques jours. Ça leur saoule. Enfin, ça les saoule, bah, écoutez. Pour le moment, la guide est niveau 20, 60 membres, donc full en fait. Hein. En fait, si vous voulez, il y a une différence de 40 entre le. Eh, mais attendez. Ouais, donc je disais, il y a une différence de 40 entre le. Comment pourrais-je appeler ça? Entre le niveau de la guide. Oulala, il a 1000. Ah, d'accord, là c'est tronco. Entre. Donc je disais quoi en fait? Oui, il y a une différence de 40. De 40. De 40 en potassium, voilà, bien sûr. Entre le niveau de la guilde et le nombre de membres. Oh, de toute manière, moi je vais le râle. Voilà, non, post-blow. Les gars, si on arrive à 200 post-blow dans cette vidéo, je vais dropper le Dofus Tutu dans au Dragon Cochon. Ah, la semaine prochaine, je vais tout faire le boule. J'ai l'impression de parler comme un. Comme un Mexicain. Boum, et regardez-moi ce râle. Qu'est-ce qui se passe? Damn. Ouf. Ouf. Trop de niveau, je crois. Trop de level. J'ai trop de level. Trop de niveau. Alors lui, je sais pas qu'est-ce qu'il fait là. Boum, allez, s'il te plaît, bouge de là, merci. Alors. Non, mais non, c'est 6 PA son sort. Il suffit de lui retirer un PA, je crois. Enfin, j'espère pour lui. 55, ça fait trop, hein, quand même. Alors. Non, je suis quasiment sûr. Il suffit de cliquer un PA et il gloute personne. Alors. Bah, du coup, c'est qui qu'il faut taper? C'est Tronco, en fait, je crois. Il me semble que c'est Tronco. Et là, il le mange. Je rigole. Oh, ouf. Je vous assure, non, mais là, j'allais péter un fou rire, quoi. Et... boum. Bah, du coup, le glouton en dernier. Je pense qu'il va lentir. Alors, qu'est-ce que j'ai avec mon Xelor? J'ai une bonne portée avec mon Xelor, hein, mine de rien. Ok, bien joué la tempête. Donc là, vous allez voir ce que c'est... un vrai Xelor. Un vrai de vrai. C'est ça. Attention les yeux. Alors je regarde juste un truc. Ok, donc. Le petit. Boum, qui cache 2 PA. En plus, je gagne des PA encore. Et après, je lui balance un petit. Un petit dévou. T'inquiète, toujours là la famille. Hop. Voilà. Easy money, les gars. Argent facile. Alors ça, je m'en souviens, je disais ça. Ouf. Oulala, les tempêtes. Oulala. Yop, Rox à mort. Alors là, franchement, mon Yop, futur Yop shit. Hein. Vraiment, pas de soucis. Non, mais j'ai vraiment hâte de stuff. Franchement. Je pense qu'il me faudrait même pas un million. Non, il me faudrait même pas un million pour avoir un stuff plutôt potable sur l'Yop. Ouais, même pas un million, quoi. Et j'ai un très très bon stuff. Après, il y a un abonné. Putain, mais le pire, c'est que je l'avais ajouté en ami. Mais je sais plus c'est qui. Il m'a dit, ouais, Joy, si tu veux, j'ai une place. Il m'a dit, ouais, si tu veux, j'ai une place pour 200 captures gelées. Il m'a dit. Mais là, je l'ai perdu de vue, du coup, c'est plutôt triste.
Il y avait une place pour 200 captures, j'aurais bien drop un Gilalou, mais après, mais moi, je lui ai dit, mec, ça va être compliqué quand même. Ça va être très compliqué parce que bon, il a quand même 7 persos. Je suppose qu'il est en full PP. Et full PP, moi j'ai qu'un perso, j'ai pas de panneau PP. Donc forcément, moi je lui ai dit d'entrer, mais mec, je vais jamais dropper quoi. Après, il m'a dit, mais si, t'inquiète. Ouh, Sprisha, ouh là là, mais vraiment vénère. Il est vénère. Oh, la clé, j'ai cru que c'était moi. GG, chanceux. Bon, je suppose qu'on va pas prendre le griotte parce que 3 yop feu, ouh là là. Bon, j'ai pris combien d'XP? Oh, 300 000. C'est pas trop mal. Lequel? Ok. Go Indigo. Bon, bah, Go Indigo. Je m'en souviens à l'époque quand il y avait des gens qui nous abandonnaient. Ils nous abandonnaient au boss. Alors, je vais peut-être cliquer quelqu'un pour... Je vais voir s'il y a des gens très très inactifs et Balvel. La dernière fois j'ai repéré un niveau 7, et c'est pas quoi depuis 3 jours. Bon. S'il y a quelqu'un de plus de 20 jours, je suis désolé mais... C'est pas la fête aux saucissons. Plus de 20 jours, en plus je crois que j'avais repéré. Il me semble que je l'avais kick. Donc RS charge, mais après... J'ai pas trop envie de kick parce que voilà, les vacances, tout ça quoi. Bon alors qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qui se passe? Ah non mais les joueurs d'aujourd'hui, hein, vous savez. Ils sont fatigués après un donjon blop. Je pense qu'ils connaissent pas ce farm qu'on avait nous à l'époque. Enfin à l'époque. Il y a quelques années, Free Ghost 3, tout ça. C'était ça le vrai farming au fond. Vraiment. Moi j'étais là, tout, j'étais en train de rusher, mais pendant des heures et des heures, quoi, c'était. Bah au final, je me faisais quoi, je pouvais me faire jusqu'à, allez, 50 millions par jour. Non mais en fait, je peux pas changer. Je peux pas changer place. Après, elle est où sa place? Ah, c'est chi. Ouh, le Blitzkrieg, allez, Glouto Blob, vas-y, go. Glouto, je t'ai dit, Glouto, mange le Glouto. Glouto, oh, non. Imprévisible. Et franchement, ils sont chauds là. Ils sont chauds, les gars. Je suis avec 3 yop chauds dans ma guilde, la Stick Family, bien sûr. Qui très prochainement arrivera bientôt niveau 200. Ne vous en faites pas, il n'y a pas de souci là-dessus. Il suffit de me faire confiance. Et franchement, d'ailleurs, les gars, vous savez, j'ai tendance à le dire et à le répéter. Mais quand je vois ma story sur Snap, franchement, moi-même, je pleure de rire, quoi. Et surtout, vous, là, et surtout mes abonnés, à chaque fois, ils m'envoient, mais ta story, quoi, c'est drôle, quoi. Enfin, en fait, je suis en cours et j'ai rien à filmer des trucs drôles, alors que, bon... Finalement en cours, il n'y a pas forcément des trucs drôles, mais j'ai une classe de malade en même temps, donc forcément ça justifie beaucoup de choses. Donc je mets mon snap. Donc c'est abdel.eck, abdel.eck, c'est dans la description, comme toujours, à chaque vidéo, de toute façon c'est dans la description. Donc n'hésitez pas à m'ajouter, ceux qui veulent rigoler un petit peu. Alors je mets pas des snaps drôles tout le temps, ça m'arrive. Ça m'arrive d'en faire de temps à autre. En fait, on va dire que ça dépend des jours, en fait, surtout, ouais. Bah, franchement, triple yop, il y a largement moyen de faire un blitz, hein. Triple yop, franchement... Alors... Oh non, je crois que je me suis puissance. Bon bah tant pis. Oh bah au pire mon gars Pyrox, hein, vous allez voir. Oui bah trop tard. Hein. Bon en tout cas les gars,
Je sens que ce boss ça va être Tandax hein, vu qu'on va faire le blitz. On va voir ce que ça donne. Ouais. Que se passe-t-il? D'ailleurs là sur mon iPhone il y a un truc qui m'énerve au plus haut point. Enfin pour ceux qui ont un iPhone, c'est iOS. C'est lequel? 8, 11, 7, 10. J'en sais rien. En plus là ils viennent de me demander, je viens de refuser en fait. Ouais non mais en fait ils arrêtent pas de me le dire mais je crois que c'est le 11 en fait. Attendez je vais essayer de voir. En speed. Alors, je crois que c'est... Je crois que c'est le 10, ouais. Ouais, c'est le 10, bah il est relou et moi j'ai pas envie de le faire en fait. Pff, rien que, bon, j'ai quelques amis qui m'ont montré les... qui m'ont montré les nouveaux emojis là-dedans, franchement... Ça me... Pff, non. C'est pas pour moi, iOS 10. Donc bon, il me demande, bah je sais pas en fait, c'est pas qu'il me demande tous les jours, c'est... Des fois il me demande un jour sur deux, un jour sur trois, des fois tous les jours, enfin ça... Ça dépend en fait, ça dépend vraiment. Ouf, puissance. D'ailleurs, justement, j'ai repéré une citation là, il y a pas longtemps. Vraiment très intéressante. Donc, pour ceux qui continuent de suivre la vidéo, on sait jamais hein, si vous aviez quitté la vidéo, si vous dites, ah, mais c'est quoi ces yop de merde là? Pourquoi il me dit de la merde à chaque fois? Non, et c'est quand même trois beaux gosses de yop, hein, dont une yopette. Ok, donc un minimum de respect, je pense. Et donc, bah, je disais, en fait, j'ai repéré une citation. Au début, quand je l'ai lu, la citation la première fois, je me suis dit, mais c'est une citation bidon. Et au final, quand on y réfléchit bien, eh bien, finalement, il y a de la réflexion derrière, en fait. Et donc, bah, je vais vous la dire, cette citation, c'est... Alors, attendez, il faut quand même que je la retrouve, parce que je l'ai lu, en fait, je crois, c'était il y a plusieurs semaines. Il y a quelques jours, plusieurs semaines, donc c'était certaines personnes. Ouais, voilà, c'était ça. Certaines personnes se sentent seules car ils construisent des murs plutôt que de construire des ponts. Donc au final, mais attendez avant que je continue. Mais vous allez pas faire les deux en même temps, OMG. Alors là, je sais pas ce qu'ils font déjà, Bliss, mais ça suffit, ils vont pas faire les deux. Ils ont cru que la vidéo allait durer 3h30. Donc je disais, par rapport à la citation, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, au début, comme je vous l'ai dit, je la trouvais bidon. Mais au final, quand on y réfléchit bien, bah, il y en a derrière là-dedans. Enfin, il y a une certaine réflexion à avoir, je pense. Et donc, bah, comme je le disais, je vais répéter parce que... A priori, il veut faire les deux chats. Ok, bon, je pense qu'ils sont un peu suicidaires sur les bords. Pas grave, de toute façon, moi, je passe. Hein. Mula passe, voilà. Mula boost, Mula passe. Donc, je répète la citation. Parce qu'il faut quand même que je la répète. Donc, en fait, c'était... C'était... Attends, moi je suis où moi? Je suis où? Attends, en plus je vois rien du tout. Donc c'était certaines personnes se sentent seules car elles construisent des murs plutôt que de construire des ponts. Donc bon, si vous réfléchissez bien, ça veut dire ce que ça veut dire quoi. Bon, qu'est-ce qu'ils font là? Que font-ils? Non, non, mais vraiment, je pense que je suis... En fait, je suis avec un groupe d'attardés, là. Ils ont cru qu'à la fin, on pouvait drop un tutu, ou un ébu, ou un vulbis. Ah, de toute manière, vous allez voir qu'ils vont le... Ils vont flancher sur le 1. Sur le blitz encore, ok, mais sur le... Non, mais cherchez pas, hein.
Moi je dis Blitz après. Je pense ils ont trop cru c'était la fête en fait. Là c'est une question de chance. À la limite, si on avait 3 Yop full feu, ça l'aurait fait. Genre, il y en aurait un de chaque côté, mais là en l'occurrence. Je comprends pas, je ne compatis pas avec leur avec leur désir de faire les deux quoi. Je trouve que Blitzkrieg c'est déjà bien ou imprévisible c'est déjà bien. Enfin, je comprends pas cette capacité à à vouloir faire les deux. Ça serait beaucoup trop long même avec une. Je dirais qu'avec une team limite un Yop, je sais pas 150 melou, ça prendrait beaucoup de temps. Moi je dis qu'il. Forcément, ça passera pas. Ça passera pas. Là, on a le premier. Ça peut passer, mais. Ils vont mettre 3 ans, quoi. Et Blitz, ça m'étonnerait. Hein. Ça va être compliqué. Hein. Faudrait vraiment ce full boost pour Blitz le Blob Indigo. Si moi je tape aussi avec. Ouais, bah oui, ça doit forcément le faire, mais. Mais bon, on verra bien ce que ça donne. Bon, mine de rien, les troncos se rejoignent un petit peu là, c'est pas mal. Effectivement, il y a un retour de dommage en fait, enfin il y a un renvoi de dommage avec la panneau pic-pic. C'est pour ça que c'est assez compliqué et c'est un peu bête en fait la panneau pic-pic en soi. Ouf, il a rien subi. Est-ce que lui va subir? Non, on a tapé les nus. Ah non, mais c'est ce que je disais. Soit ils vont rater Blitz, soit ils vont rater Blitz. Soit ils vont rater Blitz, soit ils vont rater Blitz. Ou Blitz ou un prêt. Mais je pense que je vais faire une vidéo, une pause maintenant. Et. Comme ça, en fait, je reprendrai au cas où s'ils ont voulu rater. Ou bien s'ils ont voulu vraiment terminer. Mais même s'ils ont voulu vraiment terminer jusqu'au bout.
Il y aura forcément beaucoup d'XP, mais je tiens pas à ce que la vidéo dure 1 heure pour un donjon blob. Enfin pour deux sales blobs surtout. En tout cas les gars, je vous dis à tout de suite. Et qu'est-ce que je avais dit tout à l'heure? J'avais dit qu'un des deux châles serait raté. J'ai bien pressenti le truc. Mais bon, c'était une certitude, je veux dire. Être naïf au point de se dire Blitz plus un prêt. D'accord, si on avait une team 150, bon, j'aurais rien dit. Après voilà, comme on dit, qui ne tente rien n'a rien. C'est tout à fait vrai. Et en plus, bon, finalement, ils ont fait un prêt. C'est limite pour moi le plus chiant. Non, mais je pense, franchement, je vais pas vous mentir, Blitzkrieg, on a 4 chop feu. Certes, je suis en Sasa, Antek est en Sasa, mais Fanta et des Rox, Spree et Rox. Donc, si on était tous bien boost avec le boost du Kra, l'épée à du Xel, les boosts du Yop, enfin, regardez, voilà, il balance des tempêtes, il est même pas boosté, quoi. Donc, bon. Enfin bref. Non mais au fond je pense que on aurait pu faire un blitz. Après voilà, bon après c'est très bien. Hein. Chaque qui double l'XP, moi ça me convient parfaitement. Et d'ailleurs je tiens vraiment à les remercier parce que c'est comme eux qui me font pex. Sur ce donjon, donc sans eux, bah, j'aurais pas pu Pex. Après, même si Pex, bon voilà, les 3 sont niveau 60, donc non, niveau 60, 662, 670. J'ai pas forcément besoin d'XP en ce moment, j'ai plus besoin de drop, enfin, plus en gros de me faire des kamas, quoi, puisque le drop c'est évidemment des kamas. Mais c'est vrai que bah, XP, bon après, le donjon blob, de toute manière, c'est rentable partout. Que ce soit l'XP, que ce soit le drop, il y a de tout dans ce donjon. Donc finalement, j'ai envie de dire, pourquoi pas donjon blob, quoi. Donc voilà, hein, je tiens encore une fois à les remercier, parce que c'est quand même grâce à eux, si... En partie grâce à eux, parce que bon, ils m'ont pas fait que ce donjon blob. Fanta m'a déjà fait, bah, justement, des dons... Ah non, quoique, non. Avec Fanta, c'est plutôt du drop à bras, en fait. En tech, bah, il va seulement devenir esprit. Alors, je crois qu'avec esprit, on avait fait pas mal de trucs. Du genre drop blop, du drop sur les crackleurs, comme ça on drop des diamants. Oh, il a 27 points de vie. Il a 27 points de vie. Ouh, l'anti. Ouh, il a pas up anti. Mais au final, dans tous les cas, je pense qu'on va bien pex. Et moi, franchement, ce serait tellement marrant si je dropais encore une clé. Parce que dans ce donjon-là, j'ai drop 3 clés. Donc au final, en plus, sachant que, vous ne saviez pas, mais j'avais utilisé des trousseaux. Donc au final, ça me rentabilise largement le truc. Et moi, de toute manière, je vais pas vous mentir, dès que mon Yop a son stuff 9-4, parce que lui, 9-4 ou 9-5, peu importe, dès que j'ai le stuff-là, enfin bon, il faudrait peut-être que j'attende justement de up niveau 67 pour le Godrod, parce que pour avoir 9 PA, ça serait mieux. J'aurai un Gélano. J'aurai une capot d'Indo, ce qui me fait 7-4. J'aurai bot, je sais pas quoi, ça me fait... Ouais, à la limite, ouais, je serai en 5 PM. Voilà, j'aurai ça, et puis on bah GG. GG. Voilà, en tout cas, il y aura du bon pex. Et bah, en tout cas, dès que j'ai mon Yop de stuff, franchement, j'aurais besoin de... quasiment personne pour me faire mes propres donjons et ni mes propres kamas. Alors qu'est-ce qu'on a là? Alors moi il n'y a rien du tout. Je crois que j'ai pas de... Alors est-ce qu'il y a un truc royal pour moi? Parce que je crois que les fleurs royales... je crois que j'ai rien pour moi en fait. Ah si fleur... Oh GG en tech. Bah, je crois qu'en fait elle coûte 30 000 kamas je crois. Eh hey, mais lui aussi Marmot il la drop. Putain je crois que je suis quasiment le seul, j'ai pas de drop. Ah 4000k seulement. Ah bah avant ça coûtait 40 000. C'est étrange. Bon je suis en train de voir bon. Pollen, alors le pollen, il y a mon crack, y en a, et c'est tout, c'est bizarre ça, un pollen sur 3, je suis déçu. Voilà, donc c'était 40, c'est un cyclé, c'est mieux.
Bon, bah en tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like si ce genre de vidéo 1.29 vous plaît. Et si vous en voulez plus, je fais de gros bisous. C'était Joystick et je vous rejoue bah, sans doute à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao, les gars. I wanna know, am I losing?